le même type, le même monsieur qui était et cherchait le corps la nuit de 2h là, c'est toujours lui. Il avait le couteau. Voilà, elle était avec le couteau. Elle dit que ça va me blesser. Je dis que je veux la mort. Tu es encore dans le corps de mon fils pour faire quoi? C'est toujours toi. Je trouve dans le corps de mon petit frère. Je trouve le corps de mon petit frère étalé. Le morguier, avec le corps dans la chambre, il avait opéré, il avait fendu, il avait ouvert le corps de mon petit frère. J'essaye d'appeler les médias. Venez, venez voir. Venez voir ce qui se passe à la Quintini. Ça n'est jamais vu. Venez voir, venez voir. C'est comme ça que je sors mon téléphone. J'appelle Lucien de venir filmer. De venir filmer ce que j'ai vu à la Quintini. De venir filmer ce que j'ai vu. J'ai vu, c'était horrible. Nous vous disons que nous n'avons pas fait. D'ailleurs, pour ce corps dont on parle, il a été dit qu'il y a eu des mutilations. Nous pouvons aussi communiquer dessus que nous n'avons pas la preuve de ça. Ok, je vous remercie. C'est une affaire funeste, dramatique, celle d'une famille traumatisée. Depuis le jour où elle affirme avoir vu, surpris un morguier en train de charcuter le cadavre de l'un de ses enfants déposé pour conservation à la morgue de l'hôpital La Quintine de Douala. Une affaire d'ontologie étrange de par son ampleur, et nos enquêtes vont d'ailleurs le démontrer, qui ressemblerait à ce que l'on pourrait appeler le démantèlement d'un vaste réseau de trafic d'organes humains dans la morgue de cet hôpital. Sinon, que s'est-il réellement passé autour de la dépouille de ce jeune étudiant, le jeune Franc-Fridolin Kingham, décédé de mort suspecte à l'hôpital La Quintini de Douala? Une question à laquelle Canal Détective tente d'apporter réponse. Nous remontions l'axe menant à l'université de Douala, demandant aux murs troués et aux trottoirs défoncés l'histoire du quartier BP Cité lorsqu'un peu avant d'amorcer le virage non bitumé conduisant au stade Marion, notre guide s'arrêta et nous montra une de ces maisons si banales, pompeusement groupées autour de la paroisse Saint-Roi du même quartier. « Voyez-vous, nous fit-il, cette petite porte en métal juste là-bas ?»« Derrière cette porte, ajouta-t-il, se trouve la scène d'un conte de fées digne d'un film d'horreur macabre. » À la maison, tout le monde est sur place. Personne n'est allé au boulot. C'est le cas depuis près de 2 mois, depuis que le corps déchiqueté sans vie du Benjamin de la famille, Franc-Fridolin Kingham, la vingtaine, 6e d'une fratrie de 10 et 4e sur la liste des enfants enterrés à côté du père décédé il y a plus de 10 ans. La mère, une veuve pincée si durement par la douleur, décès récurrent des membres de sa famille, porte le deuil qui se poursuit en série avec celui de Fridolin, auquel s'ajoute alors le sortilège. L'enfant serait morte empoisonnée, selon ses dernières paroles, et son corps mutilé comme si la paix devait se refuser au repos de son âme. Pourtant, une sérénité fébrile régnait sur cette famille jusqu'au soir du 16 au 17 août 2012, lorsque, de retour chez sa cousine, une certaine Nicole, Franck Fridolin sombre dans un violent mal de tête mu par un mal de ventre avec des vomissements. La mère du défunt se souvient de l'heure à laquelle Franck est parti de la maison familiale en compagnie de l'époux de sa cousine Nicole venu le chercher. J'étais là-bas pour faire côté de appareil Grasset. Et me dit, je venais chercher Franck pour lui dire que Junior est passé. J'ai dit que Franck est derrière. Une semaine plus, il est encore venu demandait Franck. Je dis que Franck derrière, voilà son chambre. Il dit qu'il n'est pas à l'hôpital. Troisième semaine, il a encore envoyé son mari et tenir là-bas. Papa, comme vous voyez comme ça là, il a demandé Franck. Mon fils est sorti. C'est en route qu'il est sur le type là. En route, puis il passe au chemise, mettez à lui. Il m'a fait comprendre que la tête, le ventre, commence à vomir. J'ai dit à son grand frère, appelé son grand frère, dit que Franck, il prend la tête, il prend le ventre encore, il vomit sans lumière. Fridolin est dérangé par un profond malaise qui alerte et inquiète toute la famille. Maux de ventre et de tête, vomissement, la situation se dégrade. Il affirme, répondant à sa mère, avoir mangé 2 boules de couscous manioc avec la sauce pistache au domicile de sa cousine Nicole,
au moment où il est conduit à l'hôpital protestant de Ndokbati, cité Sik. Il m'a levé 2h la nuit. Il me dit, maman, comme tu me vois comme ça, la tête me fait mal, mon ventre. Après, le matin, comme il était, il me dit qu'il va aller chercher le feu de papaye, bois. Je dis que quand c'est déjà 2h comme ça, ce n'est pas bien de sortir. Attends mon fils, 6h. À lever à 6h, il a allé chercher le feu de papaye et bouillie et bois, ça n'allait pas. J'ai encore cherché l'élément à côté pour les gens quand on vend l'élément là. Lui donner, ça n'allait pas. Il commençait à vomir, ça ne donne pas les limites. Après qu'il était vomi comme ça, on demandait que si tu as mangé. Il dit que j'ai mangé chez ma cousine. Le couscous, le pissage, ni que ça que j'ai mangé. Après, vendredi, tombé samedi, on l'a lui emmené au hôpital Sebeg ici. On l'a fait tous les examens. Ça ne donne pas. On l'a payé les limites. Le docteur est venu changer, se graver ses mains. Après, mardi, le docteur est encore venu changer les remèdes. Il a donné l'ordonnance. J'ai payé. L'enfant but. Ça ne donne pas. L'enfant allait rentrer, tomber chaque. Comme ça arrive de vomir, chaque plat, ou bien la tête, au sort, il va dormir. Et souvent, il allait dormir, coucher devant les gardiens là-bas, au rentrer. Toujours comme ça, papa, toujours comme ça, juste ça. Quand le docteur était venu changer, mardi, vers 3h comme ça, ça aggravait juste ça. Franck Fridolin perd l'usage de la parole et sombre dans un coma très profond. Les médecins constatent alors que le patient rejette du sang coagulé. Sa mère décrit un hurlement assimilable à celui d'un animal que produit son fils. Poussant les affres de la mort, Franck Fridolin est un cas grave et le patient est évacué à l'hôpital à Kintini de Douala où il est admis en réanimation. Mon fils, j'ai dit que une signe pour pleurer comme une mot encore comme le chèvre. Il a pleuré comme une mot comme le chèvre. Il a pissé. Quelques heures plus tard, à 4 heures du matin, l'étudiant à l'université de Douala décède dans l'ombre de sa génitrice. Le deuil est alors prononcé. C'est la nuit de mardi. Comme j'étais dormi avec le pied, des chaises portaient les pieds, je me dis qu'il faut que je regarde mon fils à son situation. Je cognais les portes de l'infirmière élevée. Je dis que maman, c'est comment? Puis je dis que maman, les enfants sont allés à la maison. J'ai dit une autre qui emmène le mat. Il n'est pas venu. Il m'a fait donc, où est le numéro? J'ai donné mon portable. J'ai appelé le nom de ma fille. Elle a regardé son numéro. Elle a appelé. Elle me dit que maman, comme tu es comme ça, quand tu entends que ton fils est mort, tu vas faire comment? J'ai dit que quand c'est toi, je vais faire ce que quand c'est toi, tu vas faire. Après, j'ai allé voir mon fils. Il l'a laissé comme ça, le sang à la bouche. J'ai dressé son joue, une lèvre qu'il était laissé. J'ai marché. La nuit, un peu plus tard, tous les malades m'ont compris. J'ai pris le sang, monté. Puis mes enfants là venaient me raconter. Là venait maintenant, dis que maman. Fin de Bori, là on sait qu'on l'a lui placé. Je dis que peut-être l'infirmière est déjà emballée. Quand c'est vrai, on l'a allé maintenant demander l'infirmière. On lui est monté là qui a faim, son corps. Les gens, quand on parle de l'enfant maintenant aller au morgue, on l'a poussé faim. Arrivé là-bas, mon gars dit que. Il a touché l'enfant et chope encore. Il dit que, mais comment l'enfant si. Je sais le corps qui est. Que ça n'allait pas.
Mais l'enfant, si, c'est un peu qu'on l'a vendu, l'enfant, si, c'est bon. La mort mystérieuse de Franck Fridolin, soutenue par ses dernières déclarations, rend délétère la relation qui existe entre ses proches parents et sa cousine Nicole. Des doigts accusateurs, directement ou indirectement pointés, se dirigent vers elle. Tous ceux à qui l'on raconte la scène et les dernières paroles du défunt retiennent comme un goût amer avant de la soupçonner sous cape. Or, des sources bien introduites informent la famille de ce que Nicole fréquente nuitamment la morgue et tisse des complots pas très catholiques avec des morguiers. Informée de la situation, la mère du défunt l'aurait même surprise en train de rôder à 2h du matin en compagnie des gros bras qui vont la malmener la mère au moment où la pauvre voulait l'empoigner pour comprendre les raisons de sa présence suspecte autour du corps de son fils. L'affaire va se terminer jusqu'à la police judiciaire. 3 jours plus, le morguier m'a nous appelé que « Vous venez, vous venez !» Voilà les familles dans le corps. Je venais ici, je quitte ici avec ma fille, non, avec celle-ci. Trouver les 2 filles de ma soeur au mieux comme ça qu'on l'a placé. Elle a la tête, les mains de sa soeur. Je dis que oh, venez, vous venez, on entre au morgue, faites ce qu'il faut qu'on fasse. Elle n'est pas bougée. J'ai levé mon pied maintenant, allez, arrêtez celui qui était venu par moi, l'enfant. Je dis que vous m'avez tué, mettez à côté de mon fils. C'est quoi? 2 heures la nuit, vous voulez au morgue pour faire quoi? Comme ça, c'est, on était à 2, on m'a arraché les mains et son Nicole. On l'a fait. J'ai allé encore arrêter monsieur qui était avec lui, avec les 2 filles là. Quand j'ai secoué le monsieur là, cherchez-moi tes 2 femmes. Il dit que je fais ce qu'on me dit que je fais. Je dis que à quelle heure l'aide de ton travail, je lui secoue. Après, le monsieur l'a dit qu'il fait ce qu'on l'a lui envoyé. Je dis que, mais tu es le genre de trottin en sévie de faire des choses comme ça. Non, tu vas chercher moi de 2 femmes là. J'ai signé à lui bien. Juste à les boutons, son bouton est coupé. Le bon monsieur était venu ici. Donnez-moi de convocation. J'étais dans le choc. J'étais avec les paluers force. J'ai dit que monsieur, t'assois là-bas. J'explique ce que tu voulais que j'explique. Il dit que pas ici. C'est le commissaire qui dit que tu vas venir. J'ai dit que comme tu me vois comme ça, je ne peux pas lever avec le choc que j'ai avec les paluers. Et là, j'étais moi de convocation. Se doutant des projets infernaux de Nicole, la mère du défunt prie un morguier de surveiller le corps de son fils, de l'anonymer en changeant de drap et d'identification pour le mettre le corps à l'abri des subterfuges de Nicole. Le corps initialement emballé dans un drap de couleur jaune est auréolé d'un autre drap de couleur blanche. Le morguier s'étant chargé de ce travail de dissimuler les traces s'appelle Jean-Claude Eugène Nogoc, dit Pharaon. En journée, donc, Pharaon m'appelle. Il me dit, madame, il y a une dame qui est arrivée ici à la morgue de l'hôpital à Quintigny. C'est alors donc en date du 29 août, elle vient à la Quintigny. Le morguier m'appelle. Quand le pompier m'appelle, je viens à la Quintigny avec mon petit frère. Je me suis mise au palais d'Ika Akwa. Mon petit frère est descendu et s'est dirigé vers l'hôpital à Quintigny. Pendant qu'elle sortait, elle avait reçu un coup de fil. C'était devant le portail de l'hôpital. Il y avait une voiture garée de Suzuki RAV4 de couleur bleu ciel. C'est alors qu'elle ouvre la portière, elle entre. Elle fait donc 2 heures de causerie avec la dame qui était dans la voiture. J'étais du côté du palais d'Ika Akwa. Et mon petit frère était en train de suivre tout le mouvement. Quand elles ont démarré la voiture, elles sont parties. Je suis donc entré à l'hôpital à Quintigny. J'ai dit chez le morguier que je dois faire le transfert de ce corps immédiatement. Pourquoi est-ce qu'elle peut venir? Elle laisse la famille.
elle vient faire du bruit à l'hôpital à Quintini. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le morgue m'a dit que vous levez le corps jeudi. Je lui ai dit non, c'est vendredi. Il m'a dit, je prends la responsabilité, je suis le responsable de la morgue. Je prends la responsabilité de ce corps, madame. N'ayez pas peur. Allez payer un drap blanc. Et vous m'apportez ce drap blanc. Je suis sorti, j'ai pris le drap blanc à l'entrée de l'hôpital. J'ai remis chez le morgue. Le morgue a emballé le corps de mon petit frère. L'enfant portait son bracelet à main. Il avait le premier drap jaune sur lui, écrit avec son nom propre. Le deuxième drap, qui était le drap blanc, le morgue a masqué le nom de l'enfant. Il a masqué parce qu'il avait constaté qu'il y avait déjà des problèmes. Il a donc dit que, ok, je prends la responsabilité de ce corps, en attendant que vous levez le corps. Dans la journée du 28 août, à en croire Pharaon, Nicole l'aurait approché dans le but de l'employer au moyen de l'argent pour que lui, Morguier, livre à Nicole les ongles, les cheveux et les poils du pubis de Franck Fridolin. C'est moi qui garde le corps. La personne décède le 23 août, aux environs de 23h30. Quelques heures après, la famille avec elle dans l'ensemble, on garde le corps. Elle rentre par derrière en me proposant une somme si je pouvais la donner des ongles de ce petit défunt au nom de Ngengam Franck Fridolin. J'ai dit ce n'est pas vous qui avez gardé le corps. La politique de l'hôpital à Kinti dans l'administration est que la personne qui gardait le corps, la personne qui a des factures, c'est à cette personne qu'on remet le corps. Mais à notre grande surprise, elle a assisté. Lorsque nous gardions ce corps, elle était tenue. Mais quand les responsables du corps partent avec elle, c'est elle qui revient une heure après pour faire autre chose dans ce corps. Elle me trouve toujours en poste. Je dis non. Elle m'a proposé une forte somme. Je dis non. Je ne fais pas ce genre de travail. Elle revient aux environs de 11 heures. Elle se permet à fouiller le registre. Heurtant le refus énergétique de Pharaon, Nicole décide alors de revenir le soir quand l'équipe de la nuit est en place. Elle use de tous les subterfuges, y compris le monnayage, pour convaincre les morguiers du soir. Alors que le corps est anonymé et emballé dans un autre drap, toute la morgue sera mise sans dessous dessus, à l'aide d'un bistouri. Tous les 22 corps conservés dans le compartiment B seront blessés au niveau du visage. Le morguier s'occupant de la basse manœuvre s'était servi d'un bistouri pour déchirer les draps servant à emballer les corps. Il était à la recherche de celui de Fridolin. Le coup réussi, Nicole aurait joint par téléphone le chef de famille en Consamba, le sieur Bernard Membou, pour lui dire « mission accomplie ». Au petit matin, l'ambiance est surchauffée à la morgue de l'hôpital. Les familles se plaignent et crient à la profanation. Les responsables de l'hôpital calment les ardeurs, alors que des photos sont prises. Elle rentre aux environs de 20h à l'hôpital à Quintini, où je trouve toujours la même dame à la morgue, à la catégorie B, avec M. Yenga Harry. J'insiste que madame sortait, ce n'est pas vous qui avez gardé le corps. Elle me dit, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit lambda, moi, je suis en train de vous dire que je ferai tout pour qu'on puisse me montrer le corps que vous avez caché. Je suis encore à la cantine aux environs de 22 heures. Je rentre donc chez moi. Le premier coup de téléphone, c'est aux environs de 2h30 que les responsables du corps me font part que leur sœur est entrée à la morgue. Elle a filmé la morgue, y compris avec les collègues, la complicité. Elle a donné une somme de 83 000 francs à mes collègues. Ils ont mené dans cette opération aux environs de 2h30. Moi, je rentre à la morgue de l'hôpital pour faire sortir les corps de jeudi. Donc, le problème se déroule vraiment à la veille du 29 août au 30 août. Qu'est-ce que vous constatez ? Je constate dans la chambre froide, M. Yambin en train de sortir de la chambre froide. Et la dame est assise au hall. Elle m'interpelle en me frappant le sac sur la tête.
que monsieur, vous n'aviez pas été sincère envers moi. Vos collègues ont pris une forte somme d'argent, de 83 000 francs que j'ai investi, et ils m'ont donné tout ce que je demandais. Ils m'ont coupé les ongles, ils m'ont rasé la chevelure du derrière, ils m'ont rasé aussi la chevelure du devant. Donc j'ai donc saisi les responsables de cette structure. Quand les responsables s'amènent, c'était déjà tard, aux environs de 9 heures. On constate que tous les corps ont été déchiquetés par les lames bistouri. Où le corps d'un certain professeur de lycée d'Akwa est touché. Et d'autres corps qui sont sortis, ces 30-là, ils ont eu les têtes déchirées, les faces. On est passé à la suture de ces corps-là pour éviter des problèmes. Or, le corps de Franck Fridolin est parmi ceux qui ont été profanés tout au long de la nuit. Les ongles coupés, les cheveux rasés, les poils du pubis coupés. Tout ceci est constaté sur le corps en même temps que des éraflures au niveau de la cuisse et de la poitrine. Les soupçons de la famille se confirment au moment où elle requiert les services d'un huissier de justice officiant au cabinet de Maître Wona. Selon son procès-verbal, le morguier Nogok aurait déclaré que ses collègues ont perçu la somme de 70 000 francs CFA des mains de Madame Nicole pour accomplir cette sale et sinistre besogne. Le même procès-verbal stipule que le sieur Misongo Ndoumbé, lui aussi morguier, aurait refusé de se joindre à ses collègues pour accomplir ce sale travail. Selon ses déclarations à l'huissier, Nicole aurait donné à boire pour 13 000 francs CFA, histoire de célébrer la réussite de sa mission d'un autre genre. Le même procès-verbal stipule tout de même que alerté, le directeur général de l'hôpital, Jean de Macondo, serait descendu à la morgue aux fins de constatations utiles. Voici d'ailleurs la lettre à travers laquelle le coordinateur de la morgue informe la direction générale de l'hôpital, le sieur Jean de Macondo, de ce que des corps, plus d'une vingtaine, conservés dans le compartiment B de la chambre froide de la morgue, ont été constatés au petit matin du 30 août 2012 avec des blessures au visage et des draps déchirés. La lettre est signée du sieur Narcisse Nouk. La même missive précise l'identité des morguiers qui assuraient la garde ce soir-là et porte aussi les traces des méthodes auxquelles Pharaon s'était employé pour cacher de manière infructueuse le corps de Franck Fridolin. Une plainte pour profanation de corps est dressée par la famille en date du 30 août et adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Voury. Toute la situation est décrite dans la dite missive qui s'achève par une question. Monsieur le procureur, les poils et les ongles de l'enfant ont été découpés. Monsieur le procureur, que faire face à une situation pareille? Or, en date du 31 août, date prévue pour la mise en bière, une ordonnance du procureur demande de sursoir à la cérémonie funèbre aux fins de réaliser une autopsie sur le corps. Commence alors au moment où l'on croyait que tout était fini, un autre calvaire pour la famille et le corps de Franck Fridolin. Comme si les termes d'un complot portaient chosification de sa dépouille. La famille, après moult va-et-vient à l'hôpital dans le but d'obtenir une date, se contente de se laisser entendre dire de la part du directeur de l'hôpital que l'autopsie aura bel et bien lieu le samedi 15 septembre 2012. Je me suis rendu à l'hôpital La Quintini accompagné de ma maman et mon petit frère. C'était pour rencontrer le directeur de La Quintini. C'était par rapport à l'autopsie de mon petit frère qu'avait demandé le procureur de la République. C'est alors que je me dirige à la direction et la direction me renvoie à la morgue pour aller chercher la réquisition. Je récupère la réquisition et le coordinateur de la morgue m'envoie chez le professeur Fevou. Je m'y rends vers le bureau, chez le professeur Fevou et j'arrive, je constate qu'il n'est pas là. J'attends et le professeur Ferrou s'amène, et je le rencontre, je lui montre la réquisition. Il me dit, madame, cette semaine je n'ai pas le temps.
je suis très occupée par les étudiants de l'université de Douala. Qu'en ce moment, ils sont en train de composer. Et avant cela même, je m'étais rendue une semaine avant. Et il m'a dit qu'il devait voyager. C'est alors que je reviens à l'hôpital, donc lundi le 11. Oui, lundi le 11. Quand il m'a donc repoussé, j'ai insisté. Je suis allée voir le directeur. Ils étaient réunion sur réunion par rapport au problème de mon petit frère qu'on avait profané le corps à la morgue de l'hôpital à Quintigny le 29 août. Que j'ai les photos. Alors, j'ai insisté avec la maman toute la journée. Le professeur est sorti. Il nous dit, qu'est-ce que vous faites encore ici, madame? Je vous ai demandé de rentrer. Je lui ai dit, professeur, vous avez dit que vous n'avez pas le temps. Laissez-nous rencontrer le directeur. Seul le directeur a habilité de choisir qui peut faire l'autopsie. On a insisté, on a passé toute la journée à l'hôpital. C'est comme ça qu'on rencontre le directeur de l'hôpital à Quintigny. Il est 19h par là, avec trop d'insistance. Le directeur nous reçoit, c'est un monsieur gentil. Il nous dit, je l'explique tout ce qui s'est passé, comment est-ce que le professeur nous a traités. Et ce même lundi, j'avais rencontré ma cousine. Elle sortait de la NAPAT. Là d'où on prélève les résultats et on va les analyser. Elle était accompagnée de son mari. Mon petit frère les a filmés. C'est alors donc que je vois le directeur. J'ai dit, monsieur le directeur, le professeur a dit qu'il n'avait pas le temps cette semaine. Papa, s'il vous plaît, on a déjà payé les frais de la morgue. Voilà l'enfant qui est en train de mettre encore. Voilà déjà une semaine qui est finie et ça va peser sur nous. Il me dit, madame, revenez demain. Je vais vous donner une réponse. On s'est rendu à l'hôpital à Quintigny mardi, le 12 février. Le directeur nous avait donné rendez-vous à 14h. Pardon, septembre à 14h. C'est alors que le directeur sort de son bureau. Il nous reçoit en nous disant que... madame... J'ai essayé de joindre les différents docteurs, même ceux de l'hôpital général. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps. Ce qu'on doit faire, c'est de supporter. Supporter, je sais que ça fait mal. Je vois dans quelle situation vous vous trouvez. Mais, plus rassurant, on vous fera l'autopsie à votre petit frère samedi. Parce que samedi, c'est un jour plus calme à la Quintigny. Et il a même dit que vous savez que le jeudi et le vendredi, c'est des jours saturés. C'est pour cette raison que moi, je vous rassure que samedi, le 15, on fera l'autopsie sur votre petit frère et le corps sera libéré. Nous sommes donc rentrés, on s'est séparés dans de bonnes conditions. Il a même dit que moi, je n'aimerais même pas que c'est une seule personne qui fasse l'autopsie à cet enfant. De peur qu'on ne dise qu'il a fait un parti pris, qu'il y a eu un parti pris. Or, le 12 septembre, trois jours plus tôt, le sieur Nogok surprend son collègue morguier, le sieur Yamben Simon, en train de charcuter le cadavre du jeune Fridolin. C'est ainsi qu'il alerte la famille, qui alerte elle aussi l'équipe de Canal Détective. Elle va assister à une rixe entre le morguier, tenant dans sa main un couteau ensanglanté, et la mère du défunt dont le corps éventré est étalé par terre. C'est la panique totale. Je vous jure qu'en journée du 12, ce corps de Gengar Fridolin, c'est M. Yambin qui sort ça avec Petit Ndoumbé, Misango, Marco, Franck. Ils amènent d'abord le corps derrière la salle de soudure. De la salle de soudure, quand je me déplace, qu'ils amènent maintenant à la salle d'autopsie. Le corps se dégivre pour quelques minutes. Monsieur Yamben prend déjà les lames de bistrot, commence à ouvrir le ventre. Il ouvre le corps. J'alerte directement la famille. Que voilà Monsieur Yamben qui est encore sur votre corps. Où la famille vient avec Lucien, avec l'avocat. On trouve Monsieur Yamben la main dans le sac. On saisit le directeur. Le directeur envoie M. Lekonon. Il dit carrément que le corps est encore dans la chambre froide, intact. Quand nous insistons que le directeur doit faire la descente avec le conseiller médical, deuxième personnalité de l'hôpital à Quintigny, y compris M. Makongo,
qui est à la cellule du pilotage, et y compris l'économe et le chef service. Et le secrétaire général adjoint, Madame Siaka, ils ont effectué la descente sur les lieux pour voir exactement si le corps a été autopsié. À notre grande surprise, ils sont en train de parler que non, le corps est dans la chambre froide, machin patati. Le directeur étant ça, c'est comme c'est un jeune. La dame insiste que s'il vous plaît, ouvrez-nous la chambre froide. Ouvrez-nous la salle d'autopsie. C'est la salle qui va parler. Quand le directeur tient le poignet, ouvre, il met les mains sur la tête, il trouve le corps a été ouvert par M. Yamin Simon Didier. Il tourne et demande au chef service, M. Féou Amadou, que vous-même vous voyez maintenant à quel point vous m'aviez menti. N'est-ce pas que le procureur a demandé pour faire l'autopsie à ce corps, il faut au moins 3 médecins. Mais vous vous êtes précipité, pourquoi? C'est alors que le morguier Pharaon m'appelle. Il me dit, madame, vous êtes où? J'ai dit, Pharaon, il y a encore quoi? Il me dit, madame, venez vite à la cantine. Venez vite à la cantine. C'est comme ça que je prends la moto, me voilà à la cantine. J'arrive à la cantine. Il m'appelle, il me dit, tu as vu le corps de ton petit frère? Je dis non. Il me dit, va à la morgue, j'arrive. Quand j'entre donc à la morgue, je rencontre le coordinateur de la cantine. Il me dit, madame, c'est pour l'autopsie. Je suis sauté. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux à peine arriver? Il me pose la question. Pourtant, on avait un rendez-vous samedi. Je dis oui. Il me dit, ah, madame, allez vous asseoir. Je m'en vais m'asseoir quelque part. C'est comme ça que Pharaon m'appelle encore. Il me dit, je te demande, est-ce que tu as vu le corps de ton petit frère? Je dis non, Pharaon. Il me dit, attends, j'arrive. Pharaon vient donc, il me tient par la main, il me dit, marche vite. Je suis derrière lui, il est devant. C'est pour ça que Pharaon, nous entrons donc dans la morgue, là d'où on lave les corps. Pharaon donc pousse la porte, et je trouve donc le corps de mon petit frère. Je trouve le corps de mon petit frère étalé, le morguier, avec le corps dans la chambre. Il avait opéré, il avait fendu, il avait ouvert le corps de mon petit frère. Je me mets à crier. J'allais tomber, même m'évanouir. Je n'en revenais pas. Je suis sortie en criant comme une folle, comme si je ne sais pas. J'avais vu quelque chose d'horrible. Je me rends donc au bureau du directeur. Je constate que le directeur n'est pas là. Je sors donc en courant. J'essaye d'appeler les médias. Venez voir. Venez voir ce qui se passe à la cantine. Ça n'est jamais vu. Venez voir. C'est comme ça que je sors mon téléphone. J'appelle Lucien de venir filmer. De venir filmer ce que j'ai vu à la cantine. J'ai vu, c'était horrible. Voilà les photos. La photo, le directeur est venu. Il demande sur le morgue que, mais, qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a demandé d'ouvrir le corps? Qui t'a envoyé le corps de l'enfant? Qui t'a envoyé pour ouvrir le corps de l'enfant? On était tous dépassés. C'est là d'où Lucien est donc venu. Lucien a constaté, Lucien est entré, il a filmé. J'ai vu le corps, j'ai vu l'intérieur, les intestins. Quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. L'image là, je ne peux jamais effacer l'image là de ma vie. Je ne peux jamais effacer. Pourtant, le directeur nous avait dit qu'on devait faire l'autopsie à l'enfant. Samedi, nous sommes dépassés. Depuis que cet enfant est mort, on ne fait que manipuler son corps. Enlever. On a encore t'assu ici. Mercredi, que ce n'est pas vendredi, que ce n'est pas nuit, samedi, que le directeur nous promet, Pharaon nous appelait que venez vite. On est sur le corps de votre fils. J'ai quitté ici avec ma fille, croisé aux portes de la quinquinée. Et commencé au la quinquinée, j'ai entré seulement. Le monsieur, comme il a entendu le bruit, il a sorti aux chambres. Pour qu'il sorte, je vis mon fils dans les tables qu'il est déjà fendu juste ça. Tombé comme ça. Je lui ai arrêté comme ça. Toujours toi dans le corps de mon enfant. C'était qui? Le même monsieur qu'il était. Et chercher le corps la nuit de 2 heures là, c'est toujours lui. Il avait le couteau.
Voilà, elle était avec le couteau. Elle dit que ça va me blesser. Je dis que je veux la mort. Tu es encore dans le corps de mon fils pour faire quoi? C'est toujours toi que tu étais la nuit des jours là pour chercher son corps pour donner à mes familles. C'est toujours toi. Une autre personne, mais pas toi. Je tombais dans la porte comme ça, avec mon fils. Commencé à appeler-le. Je dis que jamais, jamais tu ne peux pas encore entrer là-bas. Juste aller dieter, le dorter, la venir, puis on m'a réveillé, mon père. C'est comme ça, pour les problèmes de l'opération que tu demandes, que je sais. Me voici, mon fils, depuis que mon enfant est parti à l'école, il n'est pas encore rentré. Il n'est pas appelé ma mère, que c'est empêché. Voilà mon enfant, voilà son chambre, voilà son chambre. Voici le procès verbal de constat d'huissier qui atteste et donne une valeur juridique aux affirmations du principal témoin Nogokejen, dit Pharaon. Nous décidons alors de rencontrer le directeur de l'hôpital pour recueillir la version de l'institution hospitalière quant à ce fait majeur susceptible de choquer l'opinion. Or, au moment où nous arrivions à l'hôpital, le sieur Martin Penda, communicateur de l'institution, nous conduit au bureau du directeur qui nous demande à son tour de nous entretenir quelque temps avec Martin Penda avant de revenir à lui. Martin Penda va nous installer dans une salle de réunion et au bout de 3 heures de temps d'attente, il réapparaît pour nous conduire à la demande du directeur chez le conseiller médical, le docteur Zagadigi, qui va nous laisser entendre à son tour que l'hôpital ne souhaite pas communiquer puisqu'une procédure judiciaire est en cours. Sur ces entrefaits, nous partîmes de son bureau et telle était la version qui paraissait pour nous être celle de l'hôpital La Quintini. Or, en remontant les couloirs de l'hôpital La Quintini de Douala, une question nous turlipinait. Face à une telle situation aussi grossière et inhumaine, les armes juridiques sont-elles suffisantes pour mener un tel combat? En tout point de vue identique, il est clair que l'hôpital La Quintini de Douala est suffisamment prudent pour faire des déclarations susceptibles de gréver son image. Pourtant, il s'agit là d'un fait particulièrement gravissime qui, sous d'autres cieux, aurait servi aux dirigeants de l'hôpital comme prétexte pour liquider une bonne partie de ces vendus en blouse blanche qui violent et profanent le serment d'Hippocrate. C'est peut-être la raison pour laquelle la presse en a souvent fait son affaire. Or, il nous reste environ 50 mètres pour franchir le portail de l'hôpital quand, fortuitement et abruptement, le sieur Emmanuel, c'est l'économe de l'hôpital, nous aborde. Volontiers, il nous explique en ces termes ce qui, selon lui, serait la vérité du sujet qui nous préoccupe. Par prudence, nous enregistrons la conversation et vu la tournure que vont prendre nos enquêtes, la rédaction de Canal 2 International va décider de la publier. Voici la version que nous décline l'économe de l'hôpital. Un soi-disant, on m'a tenu, serait arrivé à un blouson et tout, à exiger qu'on lui fasse accéder au corps. Comme c'était des gens d'une certaine éducation, ils ne trouvaient pas. Il est rentré, ils ont enlevé les draps pour identifier le corps. Ils sont arrivés sur ce corps. Pour lequel elle a appelé même la femme pour leur dire si encore vous avez caché le corps. Moi, avec mon équipe, on l'a découvert. Maintenant, le procureur commande une autopsie. Il y a un anapath qui est ici. Ce n'est pas la famille qui a demandé l'autopsie. Même si parmi les membres de la famille, il y en a une qui voulait se justifier. C'est elle qui était. Ce n'est pas la procédure. Quand on vous diffame, vous portez plainte pour diffamation et vous voulez que la vérité soit établie avant que. Voilà. Et c'est maintenant le procureur qui devait ordonner la saisie du corps, que ce corps ne se lève pas sans qu'il y ait eu l'autopsie. Or, c'est elle qui va saisir un officier de police judiciaire qui demande qu'une autopsie soit faite. Voilà à peu près autant de choses qui ne peuvent pas être dépassées. Comme on dit, le procureur a maintenant à l'hôpital de faire une autopsie, lui fait tenir un rapport. Le rapport d'autopsie, ça, voilà, ça va à la personne qui a commandé. Le corps jusqu'à présent, l'autopsie n'a pas encore été. Elle a été faite. Voilà donc, pour éviter la chamaille entre les deux,
on a programmé une autopsie, mais la date n'est pas communiquée à la famille. Comme il y avait une odeur de corruption, un morgue appelle la famille pour lui dire voilà, 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 voilà. Elle débarque donc et elle s'étale en pleurs et tout, alors qu'on avait commencé l'autopsie. Conséquence, comme ça ne se fait pas devant tout le monde, on était obligé de refermer le corps, de le garder pour maintenant faire une commission pluridisciplinaire. Ce qui a été fait et je crois que le rapport a été envoyé. Cette version de Monsieur l'économe a le don d'être en léger décalage avec ce que nous savons déjà. Le sieur Nogok est bien employé de la fonction publique. Un procès-verbal d'huissier de justice décrit la scène de mutilation. Le dossier y afférent est bel et bien posé sur la table du directeur général de l'hôpital. Des corps, plus d'une vingtaine, ont été bien profanés à la recherche de celui du jeune Fridolin. Voici d'ailleurs les photos, etc., etc. Question à 1000 balles. Quel type de connivence l'auteur de tout ce désordre entretient avec les employés et responsables de l'hôpital pour bénéficier d'une telle couverture doublée d'impunité? Seulement quelques morguiers ont été limogés, aucune arrestation plutôt. Le sieur Nogok ayant mis à nu la supercherie est inquiété par Monsieur l'économe qui lui en veut d'avoir informé les gens de l'existence d'un tel réseau mafieux et du trafic qui a cours au sein de la morgue de l'hôpital. Comme je t'en poste, l'économe vient. Il fait appel à la police. Je suis dehors en train de passer la commande pour la nourriture et faire le transfert. On me tutoie derrière, je tourne. Qui vous appelle, c'est monsieur l'économe, il est en babouche avec son fils. Pardon, je demande que monsieur l'économe, il y a quoi au juste? Il me dit, vous avez abandonné le service de la mort, ça fait 45 minutes que je suis là. J'ai dit, ne mentez pas. Il me dit, il y a deux corps à la mort. Je vais donc me précipiter. Il me dit non, ne courez pas. On doit marcher doucement. Il m'amène de là, du dehors. On se rend dedans et on part aux urgences. Il ouvre toutes les chambres des urgences. Je demande qui a quoi. Il me conduit directement au bloc opératoire. Après le bloc opératoire, il me dit, passons directement à la chirurgie, de la chirurgie Petit Payant. Petit Payant, la voiture de la police était déjà cachée vers la mission. Je vais donc partir, on saute les mains sur moi. Bogogou, monsieur, c'est vous que nous voulions. J'ai dit, s'il vous plaît, j'ai fait quoi? Long à la lumière. Oh, je suis le commissaire de 4e. On me demande de vous amener au commissariat central numéro 1. Est-ce que vous avez un avis de recherche? Non. Vous avez un mandat? Non. Vous savez qu'on ne peut plus kidnapper les gens à 7h. C'est l'économe qui dit que vous avez pris un corps, vous avez passé ça derrière la barrière. Je dis, est-ce que vous avez vu, en tant qu'autorité, vous êtes allé voir que c'est une histoire réelle? Ils me répondent qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont seulement là uniquement pour m'arrêter. Le procès verbal d'huissier de justice est suffisamment éloquent sur la question pour que la justice, elle, se mette en branle. Or, rien n'est fait. Le jour où nous réalisons cette interview, nous suivions le sieur Nogok puis d'une demi-journée et à plusieurs reprises, il s'est fait enlever par des gaillards musclés, lui interdisant de parler à la presse. Pour brouiller les pistes, c'est dans le hall d'un immeuble abritant une chaîne de télévision consoeur que nous l'interviewons. Nous entreprenons de joindre Nicole par téléphone et sa réaction sera l'une des plus explosives. Le sieur Nogok dénonce le jeu trouble de l'économe dans la gestion de cette affaire alors que la première version que nous a donnée l'économe contraste avec ce qui sera sa deuxième version des faits. En effet, selon le procès verbal d'huissier, le sieur Nyamben et Ndoumbe Moussango, surpris en train de mutiler le corps, ont déclaré qu'ils agissaient sur autorisation du professeur Fouou, anatomopathologue. Pourtant, ce jour-là, le professeur Fouou et le directeur de l'hôpital alertés par la famille sont descendus sur les lieux au fond de constater les faits. Le même procès verbal stipule que le directeur s'en était indigné puisque la commission devrait être constituée d'un membre de la famille, le corps étant litigieux, ce qui n'a pas été respecté. L'économe s'en dément. Oui, bonjour, monsieur Bouaka. Bonjour. C'est le jeune Malik de Canal 2, vous me connaissez sans doute, nous avons échangé la dernière fois au sortir du bureau de monsieur le directeur.
Voilà, excusez-moi. Vraiment, monsieur l'intendant, je reviens vers vous parce que dans la suite de nos enquêtes, votre nom est revenu à plusieurs reprises. Et vraiment, nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de vous appeler pour essayer d'échanger avec vous à ce sujet-là. Oui. Bien. D'abord, au sujet des informations que vous nous avez données par rapport au sieur Nogok Jean-Claude Eugène, voilà, qui avait, selon vous, alerté la famille du défunt, parlant du cas du petit qui était décédé. Oui. Bon, vous nous avez dit qu'il ne faisait pas partie du personnel de l'hôpital. Pourtant, il ne fait plus partie du personnel de l'hôpital parce que, à un moment donné, il faut raviser chaque maison à ce qu'on appelle un code d'éthique. Voilà. Donc, quand vous travaillez dans une maison, il y a ce qu'on appelle une éditoriale par rapport au journal, mais par rapport à la maison, un code de déontologie. Tout à fait. Professionnel. Toute information parvenue à votre connaissance de par l'exercice de votre profession doit être tenue secrète juste parce que, hein, on vous donne peut-être la possibilité de vous exprimer à cet effet. Or, bien, quand vous s'arrêtez, vous racontez tout. Au premier venu, ce n'est pas évident. Donc, une note de sanction a été prise à l'encontre de toute l'équipe qui était à la morgue à ce moment. Oui, mais sauf que son cas est un tout petit peu particulier, parce que nous l'avons approché, monsieur l'intendant. Il nous dit que peu avant, vous l'avez séquestré. Vous avez appelé les éléments de la police qui l'ont interpellé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas les causes réelles de cette arrestation. Alors, est-ce que vous pouvez passer à mon bureau? Comme ça, si vous voulez bien que je vous donne des informations, la réglementation en vigueur à l'hôpital voudrait que quand on est de garde, oui, qu'on se limite à la réception des corps qui arrivent. Mm-hmm. On n'a pas le droit d'ouvrir une chambre froide pour aller fumer sur les corps déjà intégrés et emmaillotés. Voilà. Alors, ce jour, effectivement, il y avait une autopsie qui avait été commencée sur ordre de l'équipe de direction. Mmh. L'autopsie a été arrêtée parce que ce monsieur a fait appel à la famille. Or, quand le procureur demande une autopsie au personnel médical, pas aux membres de famille de venir s'installer devant la morgue pour voir ce qui se passe. Mais vous comprenez que c'est un acte médical. Mais pourtant, il y a un rapport du CIE quand même qui précise que c'est un morguier qui s'était chargé d'éventrer de... Est-ce que vous voulez qu'un responsable d'un hôpital, responsable du secteur, vous donne des informations? Vous voulez vous contenter des ragots? Non, je ne parle, parle pas de ragots. Je parle d'un procès verbal de constat du CIE. Voilà, maintenant, la personne la plus autorisée, c'est le directeur, c'est le conseiller médical. Oui. Et en troisième ressort, l'économe. Si vous avez besoin d'une information, approchez-vous de cette personne, va vous la donner. Maintenant, si vous voulez traiter une information quelconque, ça n'engage que vous et votre organe de presse. Nous restons un établissement public qui est tenu au droit de réserve et au secret professionnel. Tout à fait, monsieur. Il y a eu un cas malencontreux où deux familles sur une dépouille se disputent la paternité parce qu'une se sentant poussé au bout, vous demandez une autopsie. C'est pas ça qui se passe. Quand vous vous sentez acculé, vous saisissez la justice, la justice saisit le corps et ordonne une autopsie. C'est pas l'inverse. Maintenant que des mordiers véreux ou bien excités, je ne peux pas dire gêlés, se mettent à diffuser pour essayer de ternir l'image de l'hôpital. Dit que non, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vraiment, je ne voulais pas qu'on le prenne de cette manière. Je suis économe à l'hôpital à Quintigny. Je ne vous ai pas donné mon numéro. Vous l'avez, je n'ai pas le vôtre. Maintenant, je vous réponds parce que je suis poli. Quand un individu se permet de vous donner mon numéro de téléphone, que vous m'interpelliez, vraiment, ça tourne un peu fou. J'ai votre numéro de téléphone depuis très longtemps. J'ai travaillé. Je ne me rappelle pas vous avoir donné mon numéro. Vous voyez un peu. Un portable, numéro portable, j'ai un numéro de service, mais je ne vous l'ai jamais donné mon numéro de portable. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Vous êtes partisan. Alors, quand vous commencez à traiter une information de façon partisane, elle n'est plus crédible, elle n'est plus une information. Est-ce que vous critiquez ma démarche de venir vers vous, monsieur le... Je n'ai pas critiqué, mais venez me voir. Ce n'est pas au téléphone. Vous savez qui est à l'autre bout du fil qui écoute cette conversation? D'accord. Bon, ben, vous pouvez nous accorder une interview? Si la direction de l'hôpital me l'autorise, je vais l'accorder. Écoutez, je reviens. Ah, écoutez, nous revenons vers vous alors. Il n'y a pas de quoi. Merci, monsieur. Et le professeur Feu, sa version? Saisissez la direction de l'hôpital. Voilà. Parce que nous, on sait que le travail a été fait dans la stricte légalité
en âme et conscience. Oui, mais sauf qu'il y a un procès verbal, il y a un procès verbal du chien qui dit que le cadavre était ouvert peu avant, avant l'autopsie. Donc c'est... Mais oui, mais tout ça a été expliqué. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est les préparations du corps. Venez d'abord, venez me voir, venez voir le directeur, il va vous expliquer, s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est la préparation de l'autopsie. Oui, mais c'est un morguier qui le fait. C'est un morguier qui ouvre le corps avec un couteau et puis après... Monsieur, ne vous attendez pas aux déclarations fracassantes. Attachez-vous à la direction. Ne vous fiez pas aux déclarations, que chacun déclare ce qu'il entend parce qu'on veut faire du mal à l'hôpital à Quintini. Oui, mais je parle du procès verbal. Il y a un procès verbal. Rapprochez-vous de la hiérarchie, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire des déclarations ici. Je ne peux pas faire des déclarations parce que c'est un travail qui a été fait en équipe. C'est pas le procès fou qui a ouvert le corps seul. Il a fait ce qu'il a fait, comme les gens racontent. Ça fait 24 ans. C'est le premier cas qu'on nous interpelle que le corps. Ça, c'est de la foutaise. Venez voir le directeur, il va vous dire ce qu'il y a. Quand il y a des trucs comme ça, ne vous fiez pas. Allez, venez voir la hiérarchie de l'établissement. Nous étions déjà, monsieur professeur. Bon, je ne sais pas. Si vous avez fait des déclarations, je ne peux pas aller. Je ne peux pas faire autre déclaration. Je crois que c'est la déclaration c'est la bonne version qu'il vous a donnée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, pardon. Ne me prêtez pas le langage. Je ne travaille pas en clientèle privée. D'accord. Allez, venez voir le directeur. Et le rapport est en train d'être déjà même envoyé là-bas. Vous n'avez même pas attendu, les gens n'ont pas attendu le rapport pour dire pourquoi ce qu'on a dit dans le rapport. Permettez-moi d'échanger avec vous. Docteur, ce n'est pas de ça qu'il est question, s'il vous plaît. Le jeu, il n'y a pas que tout est lié, s'il vous plaît, tout est lié. Les gens racontent des conneries. C'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe. On vous a raconté le superficiel. Mais je parle... Le directeur qui va vous dire. C'est un huissier qui... Vous n'avez pas confiance au directeur. Vous attendez aux déclarations de la rue. C'est curieux. Non, ce n'est pas ça, professeur. Je crois que vous n'avez pas rencontré le directeur. Permettez-moi, donnez-moi une minute pour que je puisse... Non, je suis en consultation, s'il vous plaît. Venez voir le directeur à la cantine. Je ne voulais pas vous mettre dans cet état. Je ne voulais pas vous mettre dans cet état, professeur. Voilà, s'il vous plaît, ne me faites pas avancer des trucs que je ne veux pas avancer. S'il vous plaît. On se renseigne mutuellement, on est dans la même ville. S'il vous plaît. Vous avez rencontré le directeur, vous doutez de ce que le directeur dit. Il nous a rien dit, le directeur. Les paroles de l'évangile. Le directeur nous a rien dit. Bon, vous attendez le rapport, monsieur. C'est la commission qui doit parler, ce n'est pas un seul individu. Le rapport l'objectif a été fait devant une commission, au moins de 10 matins. Pourquoi vous êtes fâché, voilà. On attend le rapport, s'il vous plaît. Je suis en consultation, s'il vous plaît. C'est vendredi le 28 septembre que l'hôpital donne un point de presse portant communication sur la morgue. Le docteur Diagadigui, conseiller médical, est le principal orateur et sa version des faits à ce sujet va laisser perplexes les journalistes présents quant à la position de l'hôpital au sujet des pratiques et autres trafics qui ont cours au sein de la morgue. Au sujet de l'affaire Franck-Fridolin Cunningham, docteur Diagadigui argue, l'hôpital n'a pas les preuves de cette affaire de mutilation. J'ai vu de mes yeux entre une femme, mère de famille, venant de perdre son enfant et un morguier avec un couteau en train d'éventrer, de charcuter un cadavre. Le directeur n'était pas là. Aucun responsable n'était là. Trouver une vingtaine de cadavres avec des éraflures au niveau du visage. J'ai des photos avec un procès verbal d'huissier, ayant personnellement, en tant que journaliste, assisté à cela parce qu'il y a des sources intérieures à l'hôpital. J'ai été contacté et j'ai assisté à cela. Mais si elle pourra éventuellement donner des informations là-dessus. La conférence de presse d'aujourd'hui, le point de presse, monsieur prend un tout petit peu. Pourquoi avez-vous limogé ces gares? Pourquoi on les a limogés sans les arrêter? Une version qui ne concorde pas avec ce que monsieur l'économe m'a dit, enregistré surtout. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Nous vous disons que nous n'avons pas fait. D'ailleurs, pour ce corps dont on parle, il a été dit qu'il y a eu des mutilations. Nous pouvons aussi communiquer dessus que nous n'avons pas la preuve de ça. Ok, je vous remercie. Franck Fridolin est mystérieusement décédé depuis près de 2 mois. Son corps confisqué est l'objet de mépris. Sa mère est meurtrie et ceux qui l'ont peut-être tué et mutilé son corps vadrouillent en toute impunité. Et à la morgue de l'hôpital à Quintine de Douala, ce haut lieu de pratique mystique, où les corps de nos proches sont souvent assimilés à des sortes de poupées sanglantes vendues en pièces détachées,
à des vautours intouchables. À quoi servent nos organes quand il ne s'agit pas des prélèvements cliniques? Canal Détective répondra sans doute à cette question dans l'une de ses prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous présentons les faits et vous tirez vos conclusions. Ça nous coûte quelquefois des inimitiés, mais voyez-vous, nous choisissons, nous, la voie du silence. C'est la raison pour laquelle nous disons que celui qui applique son esprit à l'impossible découvre toujours la vérité. L'information, vous l'avez peut-être, mais Canal Détective enquête toujours. J'ai entendu mon frère demandait au chauffeur camion de me craser. Et ce dernier a démarré, foncé sur moi à plus de 100 km à l'heure, m'a percuté de plein fouet, m'a traîné sous le camion à plus de 15 mètres. C'est des voisins et mon client qui sont venus par devers lui me sortir de dessous le camion. Et j'ai entendu mon petit frère, avant que je ne perde connaissance, dit « Enfin, Martin est mort. » Et à l'hôpital, quand je sors du coma, le commandant de brigade arrive et demande au chauffeur camionneur de disparaître afin qu'il ne puisse payer les premiers soins, de sur quoi je devrais rendre l'âme. 5 jours après, quand j'appelle le commandant de brigade, il me dit « Qu'est-ce qui prouve? Quel est le test de droit qui stipule que ce chauffeur devrait payer les premiers soins? » Je lui demande de prendre connaissance de l'article 282 du code pénal et ce dernier de me demander pourquoi je ne suis pas mort. Depuis ce jour, tous ces individus continuent à courir et le camion même incriminé continue à travailler ainsi que son chauffeur. J'ai saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mbanga qui m'a demandé de venir avec ma plainte pour tentative d'assassinat.